Voilà les amis, cette vidéo, ce n'est plus pour réclamer la victoire de notre champion. C'est-à-dire que bon, on a perdu. Notre champion va se mettre au travail et reprendre et pour les prochains combats. Voilà, je voudrais, cette vidéo, c'était pour remercier certaines personnes et même les entreprises. Je vais commencer particulièrement à dire merci à la CRTV. Parce que vous savez, les gens ont tellement boycotté la CRTV. Moi-même, hein. Voilà, donc la CRTV a un peu fermé les bouches parce que c'était devenu autre chose. Parce que Francis Ngannou et Bamileke, on ne fait pas la com sur les médias. La CRTV n'a pas acheté la rediffusion, n'a pas acheté. Bon, au moins sur ce point-là, je vous dis merci infiniment parce que sans vous, plusieurs Camerounais devaient rater ce combat. On devait voir seulement la rediffusion parce que les gens n'ont pas les data ici pour aller se connecter sur Internet. D'autres n'ont même pas le téléphone Android, donc beaucoup comptaient seulement sur la CRTV Sport, bien entendu, pour vivre en direct ce combat. Je vous dis merci. La personne que je vais féliciter ici, c'est Mike Tyson. Ah, le monstre de la boxe internationale. Oui, hier, tu as encore confirmé, grand frère, que tu restes et demain, le king, le meilleur formateur. Nous, on a vu Ngannou, notre champion, pour sa toute première fois, avec le monument de la boxe anglaise, l'affronter avec un professionnalisme hors hiérarchie. Lui, très posé, technique. On comprend que c'est le fruit de ton travail. Voilà la raison pour laquelle, même quand Fury a pris sa ceinture, quand tu t'es levé, la foule a crié. La foule a crié, grand frère. Que mec! Parce que tout le monde a vu le travail, les efforts, on a vu les entraînements. On recevait les vidéos qui ne voyaient pas le travail intense, la formation intense que tu donnais à notre prédateur. Grand frère, prends ça. Chapeau. Non. Voilà les grands qu'il faut, soulever jusqu'au ciel. Grand frère, tu as tout notre respect. Mike Tyson. Le nom là effraie. Rien que le nom là, ça effraie. Quand on prononce le nom là, ça fait paniquer, ça fait vibrer. Non, c'est qu'avec toi, tu vas amener le continent 237. Je ne sais même pas où je peux. Donc, au sommet de l'île, je ne sais même pas comment on appelle ça en français grand. Tu vas amener le continent très très loin. Celui que je vais féliciter alors pour tuer, c'est Francis Ngannou. Je ne félicite pas Francis Ngannou ici pour son combat d'hier ou bien pour ses autres combats qu'il a eu à faire. Je félicite Ngannou Francis ici pour sa nationalité. Camerounais et fier de l'être. Hier, j'ai vu quelqu'un soulever le vert rouge jaune au milieu des blancs. Grand frère, tu as tout donné pour le Cameroun. Voilà les gars normalement qui vont arriver au Cameroun. Si j'avais la possibilité, grand frère, quand tu arrives au Cameroun, c'est juste que votre niveau est trop high. Moi, je me couche pour que tu marches sur moi, grand. Donc, je deviens ton tapis rouge, grand frère. Je deviens ton tapis rouge. Je me couche que grand frère marche sur moi. Comme on voit souvent certains pasteurs marcher sur leurs fidèles. C'est comme ça qu'en Ngannou, on doit dresser le tapis de Ngannou de son retour là, avec les gens. Donc, on se couche comme ça, grand frère. Tu marches sur nous. Parce que ton niveau est trop high. Grave toute la pression que tu as eue en France, aux États-Unis. Tu as dit, je suis Camerounais et fier de l'être. Je ne vends pas de ma nationalité. Je ne change pas ma nationalité, grand frère. Quoi de plus beau? Parce que hier, là, tout le monde sait que si tu étais français ou si tu étais américain, tu rentrais avec la ceinture. Tout le monde sait, il n'y a pas de débat dessus que hier, Ngannou n'était pas du continent. Non.
Parce que les gars ne comprenaient pas comment, d'abord, un amateur de la boxe, premier combat de la boxe, avec qui? Le champion fabriqué par les Blancs. Parce que hier, on a vu toutes les faiblesses de Tyson. C'est hier qu'on a compris que tous les 37 combats qu'on nous raconte, qu'il est champion, et les gens, ce sont des combats fabriqués. Oui! Et je suis sûr qu'à la veille, on avait demandé à Ngannou que ne donne pas le cas au gars là-bas. Si tu donnes le cas où tu as fait à nous, avec les entreprises où les gens ont misé. J'ai un moment appris qu'un jour avant, on avait à bloquer la mise. Et tout le monde avait misé en faveur de Ngannou. Mon frère, vous pensez que les gars là devaient accepter perdre? C'était des milliards qui devaient perdre. Les milliards qui devaient perdre. Vous pensez que les gars là devaient accepter que Ngannou tape Fury? Si Ngannou tapait Fury hier, les entreprises allaient perdre à un degré. Vous ne connaissez même pas les enjeux, mon type. Vous ne connaissez même pas les enjeux. Beaucoup d'entreprises allaient regretter. C'est pour cette raison qu'ils ont tout fait pour manigancer, pour donner la victoire à Fury. La seule chose qui pouvait donner la victoire à Ngannou, que tout le monde entier confirme, parce que le chaos, on ne triche pas le chaos. Ce n'était que le chaos. Je suis sûr, la manière dont que Francis Ngannou se réservait, il ne voulait même pas, parce qu'il avait les occasions, il jette, il donne ses coups, il tape souvent ici pour donner les KO, tout ça. Quel lanceur, dans ma tête, il disait, est-ce que le type s'il veut vraiment taper un Fury ici? Des fois, l'impression qu'on avait dit à la base que si tu donnes le KO, ouais, on va même te taper, on va même couper ton pied. Je vous mens pas. Je ne sais pas si c'est le même combat qu'on a regardé ensemble. Non, le gars évitait même. Parce que les deux fois qu'il a renversé Fury, c'est qu'il a bien mis la pression. Et vous voyez que Fury, c'est quelqu'un qui est trop faible dans les attaques. Donc quand Ngannou attaquait un peu, il mettait un peu la pression. Pas Fury était au sol. Les deux fois qu'il a un peu attaqué Fury, pas qu'il était au sol. Il a un peu mis la pression. Donc les autres fois, Ngannou était lui là. Tout le combat qui fuyait même le combat. C'était Fury. Il était frustré. Vous voyez que depuis le début, le gars était frustré. Il avait peur de Ngannou parce qu'il connaît. Quand il dit au gars que Ngannou a le coup de poing le plus puissant au monde, les gars croyaient que Fury a tout fait hier pour ne pas recevoir le coup de poing de Ngannou de ce ici. Parce que quand Ngannou te prend ici, c'est l'hôpital. Donc on le comprend donc que hier là, c'était un problème de nationalité pour notre prédateur. Et c'est rien. Je te dis encore merci Francis Ngannou. Tu es notre king. Tu es notre lion. Tu es notre prédateur. Tu es notre tout, mon type. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.